Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans une dynamique haussière. On attendait ici un retour sur la zone des 1.1354. Je vous disais d'ailleurs que vu ici le mouvement de hausse, il serait assez étonnant que l'on revienne ici sur cette zone sans avoir marqué un petit mouvement de consolidation. Alors c'est ce que l'on a fait aujourd'hui, on ne remet pas en cause la dynamique haussière actuelle, mais ce que l'on peut remarquer ici c'est que les cours après ce changement ici de polarité où la moyenne mobile 20 exponentielle est passée ici de résistance à support, et bien nous avons donc une poursuite du mouvement haussier avec contact ici sur la bande de Bollinger supérieure à laquelle a suivi ici et bien un quasi retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours ici dans cette dynamique de retournement. Nous avons ici ce point haut qui excède le précédent point haut qui précédait justement la phase d'accélération à la baisse qui a provoquer ce rebond. Donc on est vraiment sur un mouvement de retournement, et si on valide ici ce niveau ici qui était déjà support sur cette phase là, cette zone des 1.1290 en tant que support qui est très proche actuellement de la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien on pourra à coup sûr revenir ici sur la zone des 1.1354. Et puis sur l'or, nous commençons à avoir des mouvements qui semblent échapper un petit peu aux règles de dynamique. Hier, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions ici un métal jaune qui montait ici avec des contacts sur la bande de Bollinger supérieure qui était suivi ici de retour sur les moyennes mobiles. On rebondissait bien, on commence à s'affranchir assez souvent de cette zone ici des 1297 $ l'once qui était précédemment une zone majeure. Et bien suite au second contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on a fait fi ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on a cassé dans le même coup ici la zone des 1297. Donc tout cela montre que nous sommes dans une certaine incertitude, ce qui pourrait se traduire par une certaine neutralisation de la dynamique. On avait déjà eu du mal à tenir les signaux haussier qui avait été promis suite à l'inscription de ce point haut significatif proche des 1350 $ l'once, puisqu'un retour ici avait validé une cassure de ce point bas intermédiaire des 1305 $ l'once. Le fait que l'on évolue désormais assez librement autour de la zone des 1297 va dans le sens d'une possible poursuite de la neutralisation de cette dynamique moyen terme autour donc de cette zone des 1300 $ l'once. Sur le WTI, par contre, il semblerait que l'on valide la rupture haussière ici des 57.80 $ le baril. Je vous en faisais part hier dans ma précédente analyse, comme quoi ici, cette zone assez emblématique était cassée. Alors, on va pouvoir valider la poursuite du mouvement de retournement qui avait été initié ici sur cette phase de cotation à la fin de l'année 2018. Pour espérer rallier ici des zones techniques moyen terme assez intéressantes, puisque nous visons désormais un possible retour sur la résistance des 64.30 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, c'est là aussi la stabilisation, puisque en oscillant ici autour des 3850 $, le Bitcoin ne nous offre plus de signaux directionnels depuis maintenant quelques jours, puisque nous avions ici un début d'évolution similaire ici à la fin du mois de février. Donc on reste ici autour de cette zone, donc au-dessus du niveau horizontal ici des 3680 $, avec ici comme perspective un possible retour sur la zone de résistance des 4340 $ pour un Bitcoin, en tout cas tant que les cours évoluent au-dessus du support des 3680. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour le Trading Live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.